vivent dans des maisons en paille. Dans leur maison en paille. Ah ouais, vous voulez au soleil? On va voir, ce soir je vous verrai tout rouge. Oui, ça c'est sûr. C'est là qu'on va faire le commentaire, là, hein, en plein soleil. Ah non, 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 Janine, c'est là, hein, n'avance pas. Comme tu veux. C'est un village peul. Et pour parler des peuls, nous allons commencer par la population sénégalaise qui est divisée en plusieurs sous-groupes. Et chaque sous-groupe est appelé ethnie. Donc la première ethnie au Sénégal, c'est les Wolofs, la mienne, donc qui représente 40% de la population. Après ça, donc, nous avons la deuxième ethnie. C'est l'ethnie donc des deux premiers présidents de la République, Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Donc cette ethnie vit essentiellement d'agriculture. Et là nous avons la troisième, les Peuls. Ces Peuls, ils vivent pas longtemps. Donc je disais, cette troisième ethnie vit essentiellement d'élevage. Mais toujours, l'élevage est associé à donc, l'agriculture. Et pour parler du point de vue de l'habitat, parfois nous trouvons des peuls qui habitent dans des villages centenaires. Comment ça se voit? Par la forme de l'habitat qui est donc rectangulaire et souvent en dur. Et comme ils vivent d'élevage, donc là on va choisir un élevage de village qui va se déplacer, mais avec tout le troupeau. Donc, comme vous le voyez, ils ont leur village donc, d'origine. Mais là, ils sont avec les bêtes et toujours, c'est pour les alimenter et les abreuver. Donc, les déplacements le matin, si c'est l'homme, donc il quitte le village aux environs de 9h et là, il va aller dans les pâturages pour les alimenter. Vers les coups de 19h, il revient dans les étables, mais avant d'aller dans les étables, toujours, il passe dans les points d'eau pour les abreuver. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Une cassette? Oui, chez moi. Puis dans la télévision chez moi. C'est pas grand-chose. Hein. La gazelle, là. Ça y est, il est en photo, là. Là, ça marche là. Il va falloir que tu mettes tout de suite. Alors, il filme tout le jour. Là, c'est tout le jour. Ça finit, attendez. Nous, c'est cool, hein. Pas nous, hein. C'est lourd. Ah ouais, il faut le tenir avec les deux mains. C'est lourd. Ah ouais, tiens avec les deux mains. Tiens avec les deux mains, oui, allez. Oui, ça tombe bien, je suis en train de la filmer. Là, ça y est. Non, on avait dit ça.
Elle danse super. C'est vous, la petite. Elle fait pas trop, mais enfin, elle fait bien quand même. Oh, la petite bleue, oui. Allez, oh! Oh là! La danse du monde, ça tout le monde. Ils veulent chacun leur tour. Oh non. Ah ben oui. Ah mais non, je danse. Oh là là. Mais l'en promettent, hein, ceux-là. Oh non, non. C'était ma question. Le sable est tellement fin, on voit même pas. Le sable est tellement, tellement fin. Oh là là, puis le sable qui. Le sable qui glisse tout seul, c'est incroyable. De la dune. Mais voilà. De la partie c'est pas facile. Oh, oh. C'est dur. Les salles désertes. Incroyable de sable fin qu'il y a. Des fois rouge, des fois blanc. Allez.
rire. Tu te mets en arrière. En arrière. Oh, très bien, c'est moins impressionnant. Oh, oh. Non, c'est moins impressionnant.